Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur Pure, donc une petite config que j'ai inventée. C'est pas réalisable, bien sûr il faut trop de matériel, donc personne ne pourra le réaliser. Par contre, un petit appel à Nintendo, si vous voulez faire un petit jeu de bike sur Wii avec un ADD, ce serait vraiment pas mal. Donc je vous mets une petite image pour vous donner une idée de ce que ça pourrait donner sur Wii, à peu près. Je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait moi sur ma Wiimote. Donc j'ai incorporé ça sur un trépied. Vous bougez comme ça pour aller de gauche à droite. Je vais vous la montrer comme ça. Donc ici pour le nunchuk, vous avez accès aux boutons C et Z pour sauter et accélérer. Par contre pour la Wiimote, j'ai mis un petit élastique. Donc pour l'accélération, ça se passe comme ça. Dès que vous êtes à 45 degrés, la Wiimote accélère. Dès que vous relâchez, hop, ça accélère plus. Donc c'est vachement sympa, vachement intuitif. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur Pure. Non, c'est pas réalisable parce qu'il faut trop de matériel. C'est assez sympa. J'ai fait tester 2-3 collègues qui ont bien apprécié l'idée. Donc je vais vous montrer, je vais mettre Raps en route et le jeu. Donc, ok. Donc faites pas attention, hein, je serai peut-être dernier. Donc pour freiner, hein, faut donner des petits coups de. Donc faut lâcher la Wiimote pour décélérer. Donc ce qui donne vachement plus l'impression d'être sur un quad. Donc le joystick sert aussi pour les figures. Donc voilà. Ah. Donc c'est pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas fini d'être configuré. Donc, mais c'est jouable. J'ai réussi à finir 3e sur cette course. Il y a des bonnes sensations. Il y a juste une prise en main. À voir. Donc si l'ADD pouvait sortir, hein, il y aurait peut-être une meilleure prise en main. Parce que ce que j'ai fabriqué, c'est pas tip top. Mais c'est déjà pas mal. Ça donne vachement de sensation. Ah. Donc aussi pour les figures, vous pouvez appuyer sur le bouton C, Z et tourner à droite, le volant à droite ou à gauche. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est pouvoir décélérer en fait pour attraper son virage. Donc vous voyez, c'est jouable. Bon, je suis 15e. Mais... un petit coup de boost. Ceux qui s'ennuient un petit peu avec leur manette. En plus, ce qui est bien, c'est que ça muscle un petit peu les bras. Oh. Vous voyez, je décélère en plein virage. Certains me diront que je suis en niveau facile, mais c'est question juste de sensation. Pour ceux qui aiment le quad ou la moto, je vais peut-être pas aller jusqu'au dernier tour.
bouge, oh là, il y a de la maîtrise là. Là, je commence à avoir un petit peu l'habitude de la manette. Cinquième, c'est pas mal, hein. J'ai mis aussi la vibration sur la Wiimote quand on accélère, donc c'est pour ça que vous devez entendre un... Mais c'est tout à fait normal. C'est pareil pour plus de sensations dans le... Alors, je suis sûr qu'il y en a qui vont kiffer. Il y en a qui vont détester, mais au moins ça en fera parler plus d'un. J'étais premier. Pousse-toi. Non. Premier. C'est ça que c'est bon ça. Ça que c'est bon. Désolé, je m'excite un petit peu. Attends ça. Non, pas grave. Un petit peu de boost. Ah, je crois que c'est deuxième. On va partir dans une autre figure. Ah, troisième. Donc ben voilà, c'était ma petite config un petit peu compliquée mais bien sympa. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que Nintendo verra cette vidéo. Puis voilà, moi j'ai arrêté de frappes. Je vous dis à une prochaine sur un autre jeu, peut-être une autre innovation. Allez, à bientôt.